Et salut à tous les amis, c'est Phoenix Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Overwatch, donc le premier de la chaîne. Donc si vous avez vu le stream de mercredi soir sur le jeu, eh bien vous savez un petit peu au niveau du jeu. Donc là je voulais vous faire un petit gameplay sur Soldat 76, donc c'est un perso un peu basique qui regroupe un peu un style, voilà, Call of Duty, mais bon, c'est très grossier ce que je viens de dire, mais voilà, c'est un perso assez simple à comprendre. Donc comme premier gameplay, j'ai choisi de jouer ce personnage. Donc parlons un peu de ce jeu, donc c'est un jeu de Blizzard, donc c'est le jeu de l'année, hein, très clairement, pour moi c'est le jeu de l'année, hein, il est super bien ce jeu, super cool. Donc, ouais, il y a plusieurs personnages, donc là par exemple, celui-là, on a chaque personnage a ses sorts, donc il y a Shift, E et A. Donc le A c'est l'ulti, le Shift c'est un sort, et puis un E, voilà, un sort aussi. Donc là c'est le seul personnage à pouvoir sprinter. Donc voilà, ces sorts sont vraiment tout cons. Donc voilà, par exemple là le perso qui vient de me tuer c'est un personnage très rapide qui se déplace dans tous les sens et tout. Donc voilà, faut être assez fort pour le jeu, donc il est très facile à comprendre lui aussi, mais très difficile à jouer. Donc là la partie elle a pas duré forcément longtemps, c'est juste voilà pour faire un petit gameplay à vous présenter. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi pour le stream de mercredi pour ceux qui étaient là, c'était vraiment génial. J'ai vraiment passé une super soirée, c'était vraiment cool. Le giveaway s'est bien placé aussi, hein, parce que voilà, j'ai réussi à faire trois giveaways tranquillement. Vous étiez contents moi aussi. Et donc voilà. Voilà. Donc ce jeu franchement je l'attendais depuis au moins 6 mois. Donc là bien sûr je l'ai précommandé, donc j'ai eu un accès à partir de mardi début mai. Ce qui sort officiellement le 24, mais ceux qui l'ont précommandé ont un accès le mardi. Et de aujourd'hui jeudi jusqu'à lundi prochain vous avez le jeu gratuitement, vous pouvez l'essayer et jouer sans l'acheter. Donc voilà, ça c'est cool de la part de Blizzard d'avoir fait ça. Donc c'est un peu une pub en quelque sorte, voilà, c'est pour voilà, que les joueurs aient envie d'acheter le jeu. Donc voilà, donc là il y a un petit moment on va croiser un peu personne parce que je sais pas ce qu'ils faisaient, c'était à leur base. Donc là que je vous explique un peu le mode, dans quel mode on est, il y a plusieurs modes, mais là pour le moment c'est un peu un mode à la Team Fortress. Vous avez un point à capturer. Dès que vous l'avez capturé, vous avez une sorte de chariot qui sort. Et donc à ce moment-là, là c'est mon ulti, vous pouvez voir c'est un aimbot. Voilà, ça c'est la spécialité de ce joueur, c'est son ulti, c'est un aimbot, voilà. Donc là, ce que je disais, on a un chariot à défendre, on doit le faire avancer jusqu'à un point. Et dès qu'il arrive au point, on gagne la partie. Donc il y a deux équipes, une qui attaque, donc la première équipe attaque et doit capturer le point. Et la deuxième équipe doit défendre le point. Donc ce qui est sympa dans ce jeu, ce qui est un peu différent de Team Fortress, parce que le jeu ressemble quand même beaucoup à Team Fortress. Mais il ressemble beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de différences. Voilà, c'est pas très clair ce que je dis, mais j'espère que vous m'avez compris. Mais voilà, donc il y a chaque personnage a son rôle. Chaque personnage, il n'y a aucun personnage qui ressemble à d'autres personnages, à part Hanzo et puis Widowmaker qui sont des snipers. Donc voilà. Donc là, j'ai fait un petit carnage, voilà, on était content. Donc j'étais en killstreak de 10 victimes, donc j'étais content, j'étais très très chaud. Bon, c'était facile, cette game était facile, je l'ai fait au calme. Donc voilà. Je vais vous dire aussi samedi, donc le 7 mai, je vais participer à un tournoi Overwatch, donc je ne peux pas filmer, donc je vous dirai, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. J'espère que ça va bien se passer, mais pour le moment je joue que pratiquement soldat. Alors voilà, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, je vais vous dire un peu les persos que je joue. Donc celui que je joue le mieux et plus souvent c'est celui que vous voyez, Soldat 76. Il y a aussi Bastion qui est un personnage, vous avez dû le voir en stream si vous avez regardé le stream, c'est un personnage qui se transforme en tourelle, donc qui est très très fort, très très cool et très marrant à jouer. Quel perso je joue aussi, je réfléchis, je joue Hanzo, donc celui à l'arc. Je commence à jouer un peu Widowmaker, celle qui joue le sniper, mais elle est pas très facile à jouer. Et voilà, encore une fois, l'ulti, l'aimbot, très très facile à jouer ce personnage. Hein. Si vous commencez le jeu, je vous conseille fortement de jouer Soldat 76. Donc voilà, voilà, voilà. Donc c'était un premier gameplay. Si vous voulez des gameplays plus longs, dites-le moi. Je vais, avant la fin du jeu, j'essaierai de faire d'autres streams pour vous. Pour vous montrer un peu plus le jeu. Donc si vous voulez des gameplays plus longs, avant que le jeu se ferme définitivement, avant la sortie, demandez-moi.
Donc là, à chaque fin de partie, vous avez la meilleure action de la game, donc ça c'est super cool. Donc là voilà, très très joli, hein, vraiment. Je vous laisse regarder. Et sur ce, on va se quitter pour ce premier gameplay de Overwatch, qui était tant attendu. Voilà. Allez, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Stéphanie's Gaming, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Stéphanie's Gaming, à plus.